Salut YouTube, c'est Monsieur Bonsaï. Aujourd'hui, je suis au Parc Floral de Paris en préparation de Bonsaï Culture Expo 2024. Et à ce titre, je vous prépare une petite surprise en révélant pour la première fois mon visage. Je suis avec Adrien, donc le créateur de Monsieur Bonsaï, et il va nous expliquer quel a été son parcours. Donc vous découvrez son visage, hein, puisque pour la plupart, ben oui, personne n'a jamais vu ton visage. Personne. Donc pas pour la plupart, pour tout le monde, vous découvrez le visage d'Adrien, le visage de Monsieur Bonsaï, et il va vous expliquer, enfin il va nous expliquer son parcours. Et on va commencer par la première question. Pourquoi t'as créé cette chaîne Monsieur Bonsaï, basiquement? Ouais, bah c'est une super histoire en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi je suis arrivé au Japon en 2014. Pour le boulot, ouais. Je travaillais à l'ambassade de France en fait, d'accord, à ce moment-là, et pour la partie Business France Expo. D'accord. Et donc je m'occupais de l'industrie, pas mal de partenariats industriels entre la France et le Japon. Et je me suis pris de passion pour le bonsaï à ce moment-là. Bon, c'était une vieille histoire parce que ma mère avait des bonsaïs quand je suis né déjà, donc j'ai toujours un peu traîné. Histoire familiale. Ouais, c'est une histoire familiale et une passion familiale que j'avais pas nécessairement pour moi à l'époque. Mais en arrivant au Japon, quelques mois après mon arrivée, ma mère arrive chez moi dans mon petit appart à Tokyo et elle me dit mais ils sont où les bonsaïs? Et je dis bah maman, j'ai pas de place, moi, j'ai juste un petit balcon. Je dis ok, un petit balcon. Viens, on va acheter un bonsaï. Donc du coup on part ensemble, on achète un bonsaï, et puis au bout d'une semaine, bah, un bonsaï s'est transformé en trois. Au bout de deux mois, c'était 15 bonsaïs, et puis au final le balcon était absolument rempli. Le gros avantage au Japon, c'est qu'on peut acheter des bonsaïs un peu partout. Et t'étais à Tokyo même? Ouais, à Tokyo même, plein Tokyo. Donc t'allais au Green Club? Je suis allé au Green Club, à Ueno, je suis allé dans des petits magasins. On trouve des bonsaïs dans des do-it-yourself shops et des magasins de bricolage. Pas des 7-Eleven quand même? Non, pas dans les 7-Eleven, mais tout ce qui est un peu... non, même non pas. Plus, non plus. Mais vraiment, tu vois, tout ce qui est magasins de bricolage, ouais. et de home improvement. Décoration intérieure, tout ça, tu trouves facilement. L'équivalent chez nous d'un Castorama ou... Ouais, c'est ça. Et donc du coup, moi je me suis pris de passion pour moi-même, du coup, dans le bonsaï, et je me suis vite retrouvé face à la même situation que beaucoup d'enthousiastes font face, c'est-à-dire où est-ce que je me forme, comment je m'améliore. Alors, on pourrait dire, je suis au Japon, j'ai l'accès à tous les jardins de bonsaï, mais la vérité, c'est que même en étant au Japon, bah, y a aussi une barrière de la langue. Moi, je parlais pas si bien japonais que ça à l'époque. Et donc du coup, aller voir des maîtres bonsaï japonais pour essayer de prendre des cours chez eux, c'est quand même une grosse démarche à faire. Et tu sais, tu veux pas y aller en étant vraiment ignorant, quoi. Ouais, donc, ouais, tu veux avoir une des bases. Des bonnes bases. Et donc j'ai commencé à m'éduquer avec des bouquins, avec des livres que j'avais pu trouver soit en japonais, soit en français, en anglais. C'est pour ça que tu pouvais faire toutes ces vidéos au Japon, puisque la chaîne Monsieur Bonsaï, la particularité, c'est que c'était au Japon. Outre le fait que tu partages des vidéos sur tes arbres, sur comment tu tailles tel arbre, au début tu faisais ça, ouais. Très vite tu as commencé à faire les expos, la Taikanten, ouais. La Kokofuten, ouais. Là on se disait mais il fait comment, il va au Japon trois fois par an, c'est pas... Non en fait non, j'y sur étais place. Ouais, j'étais sur place, ouais. c'est ça qui a structuré en fait la chaîne, parce que moi je me suis dit au démarrage, ma génération, YouTube, vidéo, on veut être formé avec, je voulais être formé avec du contenu vidéo, et j'en ai pas trouvé en francophone. Donc en fait, je me suis dit, à l'époque, étape, c'est ça, on est en 2014, entre 2014 et 2017. Donc c'est, je crois même avant la création d'Edgican ou en même temps. Juste un peu avant. Ouais. Juste je parlais avant, avec Fabrice. Je parlais pas mal avec Fabrice. D'accord. Quand il crée sa chaîne, et j'avais déjà ma chaîne. Toi, t'avais déjà ta chaîne. Donc finalement, ouais. C'était toi l'un des premiers à avoir fait une chaîne francophone sur le bonsaï. Ouais, quelque chose. Sauf que toi, t'étais pas en France. J'étais pas en France, ouais, francophone, pas en France, et c'est pour ça que je pense que la chaîne a bien fonctionné. En quelques mois, on est monté à 10 000 abonnés, d'accord, ou pas loin, et donc ça a fait, moi c'était très enthousiasmant. Et puis comme tu dis, j'avais accès à des matériaux, à des expositions de très haute qualité. Et en fait, moi je me suis rendu compte en tant que petit hobbyiste que ce que je pouvais communiquer en termes de technique et en termes de savoir au reste de notre communauté était limité forcément, parce que j'ai pas l'expertise d'un maître ou quelque chose comme ça. Et en revanche, je me suis tout de suite dit que je pouvais montrer ce que les gens ont du mal à voir. Ah bah c'était à l'époque. Et notamment les expos. À l'époque, les vidéos Kokufu, Taikanten, t'es le premier. Ouais.
Il n'y avait pas de vidéos sur ce sujet-là, ou en fait des vidéos live, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, je ne sais même pas, je dis qu'il n'y en avait pas, mais peut-être qu'il y en avait, mais personne... Des prises de vue ou des prises de vue de pas très bonne qualité. C'est ça. En fait, personne moi, ne se promenait avec la cam et ne commentait le truc. Et toi, ta particularité, c'est que c'était ta chaîne, elle est en voix off. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne te voyait jamais, d'ailleurs là c'est la première fois qu'on te voit, mais toutes tes vidéos, c'est des vidéos en voix off. Et c'est ça. Alors au démarrage, c'était voix off pour deux points. Un, parce que j'étais timide. Donc je voulais pas, pas me montrer. Pas facile. Face cam, pas facile. C'est dur, c'est un exercice qui est compliqué. Et puis parce que je bossais pour l'ambassade. D'accord. Et donc du coup, là, il y avait aussi des contraintes de voilà, pas forcément montrer. De pas montrer son visage. Pas montrer son visage, etc. Donc moi, j'ai commencé comme ça, mais vraiment, l'aspect, mon focus, c'était la qualité. Je voulais qu'il y ait une très belle image. Qu'on puisse voir des choses qui soient vraiment détaillées, haute qualité. Et donc, c'est pour ça que j'ai investi un peu dans du matériel. Et j'ai commencé à uploader déjà sur des bons formats. Et puis, bon, la force des choses a fait que j'ai changé de travail. J'ai eu beaucoup, beaucoup moins de temps devant moi. Enfin, c'est pas que j'ai plus de temps à l'ambassade, mais je veux dire, j'avais quand même un peu plus de temps. C'est ce qu'on dit. On dit pas que les fonctionnaires travaillent peu, on dit pas ça. Pas du tout. Je fais très bien mon travail. mais je suis tombé dans une industrie dans l'aérospace où j'avais du coup beaucoup de voyages en Asie. Et donc du coup, j'ai beaucoup bougé et j'ai plus le temps en fait matériel de faire des vidéos, si ce n'est là où les expositions nationales. Où tu te trouvais. Où là, je me trouvais à Tokyo en février pour faire la Kekou. Et puis c'est vrai que... C'est vrai que la vidéo et YouTube, il y a une particularité, qu'on soit professionnel de la vidéo ou pas, c'est chronophage. C'est clair. Le montage de la vidéo, alors si le en montage, plus c'est des vidéos un peu montées, travaillées, là c'est très très long, mais même une vidéo pas montée, ça il faut quand même un minimum la mettre au format sur un logiciel de montage, l'uploader sur YouTube, mettre une petite vidéo, un petit thumbnail sympa. Donc c'est du temps, et puis même plus on fait de la vidéo, plus on a envie de faire bien. Mieux, à chaque mieux, fois, donc itérer. On apprend aussi. Ça, c'était génial. Et pour moi, c'était ça aussi un peu l'exercice, c'était apprendre une nouvelle compétence. Bien sûr. Donc il y avait le côté bonsaï, mais il y avait aussi le côté je voulais apprendre à faire des vidéos, à faire des trucs de qualité. Et donc du coup, c'est ça qui m'a motivé. C'était un peu une double motivation pour moi pour faire ça. Je fais un parallèle avec certains gros youtubeurs du bonsaï aux États-Unis comme... Bjorn ou Ryan Neal, qui on peut voir entre leur première vidéo et les vidéos actuelles, où c'est le jour et la nuit. Et Bjorn, d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on suit ses premières vidéos, il apprend en tant qu'apprenti le bonsaï, et donc il est nul en vidéo. Et donc il filme le quotidien et puis il se forme en vidéo en même temps qu'il devient un expert en bonsaï. Et aujourd'hui, ses vidéos, c'est Bjorn, c'est une passion la vidéo aussi. Oui, voilà, ça se voit, ça se ressent. J'ai connu Bjorn au Japon, avant même de connaître Adam. Et en fait, c'est Adam Jones, et on va vous dire pourquoi après. Donc moi, j'ai d'abord rencontré Bjorn dans les expos, et puis en allant dans des jardins. Donc on est devenus pas proches, mais je veux dire, on se connaît bien et on s'est suivis les uns les autres. Et lui, il a vraiment développé une super compétence sur la partie vidéo, parce qu'il aime fondamentalement ça. Ça se voit, il y a une recherche d'esthétique dans les plans, dans les valeurs de plans, qui dépasse le cadre du bonsaï et de YouTube même. Absolument. Et alors, ça me permet de rebondir, puisque tu parlais de Adam Jones. Qui est Adam Jones? Et alors, quel est ton lien avec Adam Jones? Avec Adam, Parce que là, on vient d'expliquer, tu étais au Japon, tu faisais tes vidéos. Notre ami le pan. C'est Léon, ça. tu étais au Japon, donc tu faisais les vidéos pour toi. Qu'est-ce qui fait que déjà tu as arrêté de faire des vidéos? Parce que il y a un moment, ta chaîne n'était plus alimentée. Alors, est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est un changement dans ta vie quotidienne au Japon? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment le boulot, parce que j'ai commencé à... Pendant 3 ans, j'étais vraiment sédentaire à Tokyo. Et ensuite, par changement de travail, j'ai commencé à devoir bouger dans toute l'Asie. Donc je passais mon temps à bouger, et de fait, j'avais plus vraiment de temps pour pas forcément pour faire les prises de vue, mais pour alimenter, et puis pour trouver le temps de monter, etc. Ça prenait vraiment beaucoup de temps à faire, parce que je faisais vraiment tout seul. Donc c'était... Ça, c'est pour la chaîne. Ouais. Donc tu nous expliques pourquoi tu as arrêté de poster. La chaîne existe toujours, elle est toujours disponible. J'ai refait une vidéo récemment pour la Taïkanten. Exactement, c'est la dernière. Et juste, tu l'alimentes plus tellement, et alors
pourquoi tu l'alimentes plus? Parce qu'il ouais. y a les raisons que tu viens d'évoquer, mais il y a aussi le fait que tu es toujours dans le bonsai. Toujours. En fait, j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté. Faire du bonsai. Et j'ai continué à titre perso. Ouais. J'ai même réussi à avoir un petit jardin à Tokyo, donc j'ai augmenté ma collection. J'ai continué à en faire et même j'ai augmenté mon expertise et ma passion pour le bonsai. Mais... à tel ouais. point que maintenant tu es prof, enfin tu vis. Maintenant je suis professionnel. Voilà, c'est ouais. là où je voulais en venir. Ouais, c'est ouais. que tu as continué le bonsai en tant que bonsai qu'à passionné, ouais. mais tu en as même fait ton métier. Ouais. Alors quel est ton métier et quel est le lien entre toi aujourd'hui, Adrien, ouais. Plus monsieur bonsai, Adrien, et le bonsai version professionnelle ouais. Bah, en fait, dans cette transition que j'ai pu faire professionnelle, aussi je suis tombé dans un moment assez compliqué de vie, et le bonsai a permis de garder la tête hors de l'eau sur pas mal de choses, et ce qui m'a fait vraiment consolider cette passion-là de bonsai. Et en fait, dans ce moment de vie, ben, je me suis rapproché de quelques maîtres bonsai que je connaissais, donc des japonais et des non-japonais, et parmi ces non-japonais, j'ai rencontré Adam Jones, qui lui est le seul occidental à avoir été formé au Japon, donc à Mansen, à Saitama, au nord de Tokyo, et qui est resté après son apprentissage au Japon et avoir monté sa bonsaïerie au Japon. Donc c'est le seul occidental formé avec le titre du bonsaï au Japon. Bonsai Master à être resté, avoir ouvert son propre business, sa pépinière au Japon. Membre de la Nippon Bonsai Association. Absolument, absolument. Ouais, ouais. Et alors donc, qu'est-ce que tu fais avec lui? Et donc en 2021, donc on est devenu amis par la force ouais. des choses, parce que moi je prenais des cours chez lui, à Ibaraki, parce qu'il a constitué un jardin absolument... fantastique là-bas. C'est Treehouse Bonsai. Et donc en fait, il est venu me voir parce qu'on s'échangeait pas mal de choses sur le business, etc. Et il est venu me voir en me disant est-ce que tu veux pas me filer un coup de main sur la partie business? Et j'ai accepté. C'était une opportunité en or. Moi, j'étais en pleine transition, donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis au Japon, je suis encore jeune. C'est une opportunité d'une fois dans une vie. C'était la suite logique. Et c'était un peu la suite logique. Et donc du coup, j'ai rejoint Adam en tant que bras droit et je m'occupe de tout le business pour Treehouse Bonsai. Et ça a été un peu la révolution pour moi, puisque du coup j'ai découvert la partie professionnelle du bonsai. Et maintenant c'est ma troisième année ouais. en tant que professionnel à 100% dans le bonsai là-bas chez au Japon, chez Treehouse Bonsai, là où on s'occupe d'un jardin japonais qu'on a construit de nos propres mains, avec des professionnels, avec des paysagistes professionnels, etc. Mais qui est un jardin japonais à proprement parler, dans lequel il y a une bonsaïerie professionnelle, fonctionnelle, de à peu près 2000 bonsai sous gestion. Et qui fait beaucoup d'exports dans le monde entier. Donc on envoie des bonsai, des pots, des équipements à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord, Afrique du Sud, en Chine, un peu partout. Donc s'il n'y a pas de petits arbres, on commence à des arbres qui ont déjà un certain âge. Par exemple, je pense qu'on ne va pas avoir quoi que ce soit en dessous de 50 ans. D'accord, ouais, donc c'est que des ouais. arbres matures, formés. Ouais. Et alors tous ces arbres sont formés par Adam Jones? Pas nécessairement. Alors on achète beaucoup d'arbres, ouais. On achète des arbres, on les style, on les met alors, en forme. Pour utiliser un mot purement français, on ouais. les relook. Voilà, on les relook. Ça n'existe pas en anglais. Hein. Relook. Bah, on les relook. On les relook. On les relook. Ouais. On les met en forme. Ouais, on les ouais. met en valeur. Ça, c'est tout le travail artistique que fait Adam. Ouais. Ensuite, on fait de l'entretien. Tu dis Adam ou Adam? Alors, en France, on est en France, donc je dis Adam, mais c'est Adam. C'est Adam, d'accord. Ouais. Adam Jones. Et en fait, on a des arbres qui sont les nôtres. On a d'accord. des arbres qui sont au jardin, qui sont en vente. On a les arbres qui sont les arbres de nos clients, qu'on garde en entretien. En entretien. Alors, parfois, juste par saison, quand ils ne sont pas là, mais aussi toute l'année. Il y a des gens où, voilà, au Japon qui confient leurs arbres de façon continuelle, permanente à des professionnels, mm-hmm. Pour les entretenir, pour les amener vers un objectif. Et puis on a toute la partie donc jardin japonais visitable, donc là où on accueille du public, où on fait des événements, que ce soit pour des particuliers ou pour des entreprises qui veulent faire des team building mm-hmm. ou des choses ouais. comme ça. Et puis on a la partie export. Donc tu vois, le jardin fait à peu près 12 000 m2, sur lequel on a un gros tiers du jardin qui est le jardin japonais, un tiers qui est de la forêt, donc forêt de cèdres et de bambous, et un tiers pour la partie export. D'accord. Où on a des serres de quarantaine pour l'Europe, des serres de quarantaine pour l'Amérique du Nord.
et où on opère vraiment les chargements et les choses comme ça. Et alors, est-ce que toi maintenant, dans l'activité que tu as là-bas, est-ce que tu continues à travailler les arbres avec Adam ? Alors, pas autant que ce que je voudrais. Ouais. C'est un peu. Parce que toi, ton métier vraiment maintenant, c'est la partie business. Donc, ouais. Concrètement, c'est quoi ? C'est la relation avec les vendeurs ? Toute la partie clientèle. L'export ? Ouais, toute la partie clientèle, ouais. Administrative de l'export, développement commercial et des projets. Ok. Et puis tout ce qui va avec l'admin, quoi, le juridique. D'accord, ok. Donc, ça, c'est ton boulot. Ouais. Et tu mets encore les mains dans les bonnes salles. Alors, pas les tiens, je parle de chez la collection et de Trias Bonsai. Ouais, bah, je prête main forte dans les grands moments de saison où il y a besoin d'avoir plus de bras, comme par exemple pour l'arrosage en été ou ce genre de choses. Mais maintenant, il y a les apprentis aussi au jardin. D'accord. Donc, ils font une partie de ce travail-là. Quand moi, j'ai rejoint il y a 3 ans le jardin, on était vraiment une toute petite équipe. Donc, du coup, bah, je prêtais main forte à chaque fois que je le pouvais au jardin. Maintenant, un peu moins. Ce qui me permet, mais moi j'ai toujours mes arbres à la maison, donc je m'occupe de mes propres arbres. Et puis au jardin, je fais ce qu'il faut quand il y a besoin. Vous serez présents tous les deux lors de Bonsai Culture Expo cette année au Parc Floral. Merci pour l'invitation. Et ben, avec grand plaisir. Et on va pouvoir venir rencontrer Adam, mais toi aussi. Ouais. Et donc tu pourras échanger avec les gens. Donc si un bonsaïka passionné veut se former, il peut contacter Treehouse Bonsai. Absolument. Au jardin, on a une école qui sont plus des cours privés. Qu'une école structurée avec des classes, etc. Mmh. Donc c'est vraiment de l'individuel où on a un panel de formation qui va de 2 heures à 3 mois. Les apprentis, c'est un peu une autre démarche, c'est une démarche plus long terme qui va jusqu'à 5 ans. Donc c'est pas la même engagement, c'est pas la même, je pense que tout le monde a entendu parler des apprentis au Japon, c'est pas le même objectif. La formation complète, c'est entre 5 et 7 ans, c'est ça ? Ouais. Selon les jardins, chez nous c'est 5 ans. D'accord. 5 ans, plus 5 ans ou pour moins, être en fonction d'être, pour être validé professionnel. Voilà. À partir de 5 ans, le oyakata d'un jardin, donc la tête du jardin. Le maître professeur. Le maître professeur peut décider de présenter son apprenti à l'association, à la fédération, à l'association. La Nippon Bonsai Association. La Nippon Bonsai Association, pour qu'il soit reconnu comme alors. On dit maître, même si, même après plusieurs dizaines d'années, généralement, les gens là-bas ne se prononcent pas comme maître. En tout cas, comme professionnel du bonsaï. Ouais. Et est-ce que tu connais la teneur de ces épreuves au bout de 5 ans? Il n'y a pas d'épreuve. C'est une cooptation. C'est une présentation de tes élèves à l'association et une recommandation comme quoi la personne a atteint un niveau suffisant pour être un professionnel opérationnel reconnu et validé par l'association. Et est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que c'est possible que des gens soient refusés ou est-ce que non. Ils considèrent que si tu atteins ta formation et que tu es validé par ton oyakata, bah après voilà. Si tu... Il y a des gens qui sont en formation depuis 25 ans au Japon. D'accord. On peut toujours être présenté. OK. Ah oui, d'accord, la subtilité c'est que c'est l'oyakata qui va décider que c'est le bon moment. Exactement. Okay, et après cette présentation, il peut arriver que dans certains jardins, selon les relations entre apprenti et oyakata, l'apprenti devenu professionnel redonne ce qu'on appelle donne une année supplémentaire ou 2 années supplémentaires à son oyakata. Ouais. D'accord. Ouais. Pour donc, aider là, à travailler. Voilà, donc les... là, la relation est un petit peu inversée. Il y a pour le coup un paiement et c'est un professionnel qui est rémunéré, alors pas forcément à titre complet, mais rémunéré par le jardin et qui reste travailler en fait au jardin. C'est plus un engagement de travail effectif sur le jardin en tant que professionnel pour aider le jardin et puis pour remercier l'oyakata pour l'apprentissage qu'il a reçu. D'accord. Toi, tu as donc cette facette. De ta vie et de ton travail qui fait que maintenant tu vis au Japon, tu es installé au Japon, tu l'étais déjà avant, mais et que maintenant tu as transformé ta passion pour le bonsaï en travail, finalement, puisque maintenant tu travailles pour Treehouse Bonsai et tu es partenaire de Adam Jones. Mais je sais que tu as une autre activité et je sais que tu as monté une autre structure indépendante de Treehouse Bonsai, même si elle est très proche et affiliée à Treehouse Bonsai. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit? Comme tu l'as très bien dit, donc c'est la 3e année où je bosse en tant que professionnel chez Trias Bonsai. Mais avec Adam, on a lié une relation d'amitié et puis de professionnel qui est très forte. Et on est toujours dans le brainstorming des nouvelles idées pour développer le monde du bonsai et cet art au Japon et à l'international. Et en fait, nous est venue cette idée de créer une structure à part que je dirige qui s'appelle Bonsai Collectors. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bonsai Collector, c'est quoi ? Alors, Bonsai Collector, c'est une entreprise qui permet à tout un chacun d'investir dans le bonsai.
D'accord. C'est la première mission. Comme les gens peuvent investir aujourd'hui dans de l'art, dans des bouteilles de vin, dans des montres, dans des objets de luxe, aujourd'hui on veut donner la possibilité aux gens d'investir dans des œuvres d'art qui sont des œuvres d'art vivantes, le bonsaï, pour des arbres qui restent en gestion chez des professionnels, donc aucun risque sur la partie maintenance et survie du bonsaï, puisqu'ils sont, ils sont gérés par des professionnels. Mais ces personnes peuvent apprendre et aller de l'avant avec des bonsaï dans leur patrimoine, dont on va s'occuper de, pour lequel on va s'occuper de tout. Et en fait, en background de tout ça, l'entreprise développe aussi du software, des logiciels, et qui sont des logiciels de gestion pour les professionnels du bonsaï. Donc on vient prêter un peu main forte aux opérateurs de jardin avec une couche... Concrètement aux pépinières, quoi. Enfin, aux pépinières, c'est ça. Pour leur donner des outils modernes et pour donner du liant à tout ça, on fait de l'événementiel. Donc on fait des événements, de la promotion de l'art du bonsaï au Japon et à travers le monde. Et notamment, on va rassembler des événements privés de collectionneurs. On va faire des événements publics de promotion et de présentation de l'art. Donc, par exemple, l'année dernière, on a fait deux événements dans des grands hôtels 5 étoiles des palaces japonais pour faire des présentations. Cette année, on va en faire encore. Donc, de présentation de bonsaï, de collection. On essaye de présenter le bonsaï à ces milieux artistiques pour faire comprendre aux gens qu'on est aujourd'hui dans une démarche où le bonsaï a toute sa place dans le monde de l'art, dans le grand monde de l'art, si on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui, certes, croît au niveau mondial, le marché du bonsaï, mais il est aussi en péril, parce qu'au Japon, il n'y a pas assez de jeunes générations et de repreneurs pour faire perdurer cet art-là. Et donc, il faut faire la promotion, il faut qu'on ouvre les écoutilles au reste du monde pour faire comprendre que c'est un art qui est superbe, qui demande à recevoir des mécènes, qui demande à être mis en valeur. Et donc c'est toute la mission fondamentale de Bonsaï Collectors. D'accord. Et cette mission, tu l'amènes en parallèle donc de ton boulot chez Treehouse Bonsaï, et c'est aussi pour ça que vous allez venir à Paris pour Bonsaï Culture Expo. C'est qu'à la fois, Adam vient en tant qu'invité d'honneur pour travailler sur un des arbres de la collection, le Shinpaku de la collection permanente du Parc Floral, mais tu seras là toi aussi pour parler de Treehouse Bonsaï, mais également de Bonsaï Collector. Des deux, voilà, on fait ça. C'est deux business qui sont liés, qui sont très liés, qui sont très complémentaires. Est-ce que tu as pensé à relancer la chaîne YouTube Monsieur Bonsaï, ou est-ce que pour le moment, avec toutes tes activités entre Treehouse Bonsaï, entre Bonsaï Collector, tu penses que c'était une belle aventure et que maintenant tu n'as plus le temps de t'en occuper? Alors, c'est une super question, parce que Monsieur Bonsaï, ça a vraiment été le démarrage pour moi de ma passion pour le bonsaï à titre personnel, et pas faire un truc familial. Et donc, j'y tiens énormément à cette chaîne YouTube. C'est pour ça que je ne l'ai pas fermée, même si elle n'a pas eu de contenu pendant longtemps, quelques années. De temps en temps, j'arrive à retrouver le temps de faire une vidéo et je repose quelque chose. Là, récemment, on a fait la Taïkanten en novembre dernier à Kyoto, et c'était top de pouvoir refaire une petite vidéo. J'ai teasé, en fait, deux, trois fois sur la chaîne des renouveaux, et notamment cette révélation que je bosse maintenant professionnellement dans le monde du bonsaï. Mais je garde la chaîne pour une simple raison, c'est qu'on a une stratégie de contenu qui va arriver sur tout ce truc Treehouse Bonsaï, Bonsaï Collectors, Monsieur Bonsaï, qui va faire beaucoup de sens aux gens quand ils vont voir ça arriver. Donc on n'est pas pressé de le faire, on veut que ça soit bien fait. Donc on est en train de structurer une stratégie de contenu qui va être, je pense, de grande valeur pour notre communauté francophone, mais pas que. La chaîne Monsieur Bonsaï va avoir son importance dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours active. Et même, tu vois, il y a un truc tout bête, mais même si j'ai pas fait de vidéo pendant un moment, en fait, j'ai continué à recevoir des questions. Ouais, dans les commentaires, continué à répondre quand j'avais le temps, mais j'ai réussi quand même à répondre à pas mal de commentaires et à des questions, et des gens qui me contactent en direct via la chaîne ou via la page Facebook, que j'ai pas beaucoup entretenu, mais qui m'a permis de garder contact avec certaines personnes de la communauté. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à pas la couper ou à pas la donner, ou pour pouvoir en faire quelque chose dans l'avenir, et parce qu'elle rassemble elle-même, tu vois, là je crois qu'on a encore 8000 abonnés ou quelque chose comme ça sur la chaîne, et on en perd, mais il y a toujours des gens qui sont intéressés et qui me remercient encore d'avoir fait certaines des vidéos de bonne qualité.
je pense notamment à la vidéo sur la glycine qui a énormément fonctionné, ou des mini bonsaï ou des paysages de mousse. Ça, c'était les premiers tutos j'avais fait, qui ont plu à beaucoup de gens et qui permettent souvent, c'est les messages que je reçois. Qui sont toujours d'actu. Qui sont toujours d'actu parce que c'est de l'evergreen, mais qui sont souvent les premières vidéos que les gens voient quand ils veulent se mettre au bonsaï, parce qu'ils font des recherches sur YouTube et ils tombent sur ça. Et ils m'envoient un message en me disant « ça m'a donné envie de m'y mettre ». Et donc, tu as rien que pour ça, je le garde, il faut le garder, parce que, comme tu dis, c'est du contenu qui reste. Mais tu t'interdis pas de refaire des vidéos dessus, peut-être, Absolument pas. À l'avenir, quoi. Ça va venir. Ouais, c'est prévu, d'accord. C'est prévu. Écoute, Adrien, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, on te retrouve avec Adam Jones le dernier week-end d'octobre au Parc Floral de Paris. Parc Floral de Paris pour Bonsaï Culture Expo. Quatrième édition. Voilà. Et donc, on sera là pour faire de la démonstration. Ouais. On sera là pour expliquer le jardin, les cours. Recruter des apprentis, des vocations, sucer des vocations. Et puis présenter Bonsaï Collectors, montrer aux gens que ce qu'on peut faire avec l'art du bonsaï au niveau. Et puis partager avec toute la communauté. Super. Voilà. Rendez-vous fin octobre. Rendez-vous fin octobre. Merci. À bientôt.